Et 3, 2, 1, salut! Oh oui! Wow. Oui! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans l'Hérault et il y a une petite mission qui se prépare parce que il y a un petit groupe de cliffeurs qui va send le pont neuf. Jérémy, il est venu nous voir hier soir. Il nous a dit ouais, bah je vais commencer par le pont du diable. Si ça se passe très bien, bah je vais au pont neuf. Si ça se passe très bien, je vais voir le saut qui fait 32 qui est derrière. Tu veux sauter toi? Je suis dubitatif. T'es dubitatif? On verra sur le moment. En vrai, je pense que ça va le doubler là. Oh là 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 là. Mais gros, ça a vu tellement de vidéos sur ce spot. Ouais, mec, c'est mythique. Ça fait tellement plaisir de venir là-dessus enfin là. Ouais, tu m'étonnes, c'est la première fois? Ouais. Oh, moi je peux pas sauter les gars, parce que je suis un peu faible. La docteur Laura Marino elle m'a dit que j'avais une petite entorse. Aïe. En vrai je la crois pas, mais vu qu'il me reste 6 jours, et ben, j'ai pas envie de faire de la merde. Ça y est les gars, ils vont regarder le pont là. Là c'est la première fois qu'ils le voyaient. Et il est un peu particulier le pont neuf, parce que quand t'es en haut, t'arrives pas à 27. T'arrives pas à vraiment te dire que tu vas faire 27 mètres. Mais là il y a vraiment un beau programme. Il y a les Suisses qui vont envoyer du lourd. La nouvelle génération les gars, vous allez voir, ils vont scène très 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 fort, ils sont très jeunes là, c'est très prometteur, en vrai c'est le turfu. S'ils ramènent la plate, peut-être gainer. Je sais pas, ils me trottent dans la tête là depuis cette nuit. Bah, je l'ai fait en mai et c'était... Il faisait peur parce qu'il faisait tout noir et l'ambiance était pas du tout à Send. Ouais. Et là il fait hyper beau, l'eau elle est hyper claire, ça donne trop trop envie de sauter mais... Comme je suis pas sûr, je laisse les mecs qui sont chauds, qui sont sûrs d'eux, sauter avant. Surtout là. Au milieu, je vais monter sur la barrière, je saute normal. C'est l'échauffement là. Le d'échauffement. Avant la petite dinguerie quoi. Ouais. On verra. Selon comment celui-là se passe, si je gère bien l'impact, je me permettrai d'aller faire l'autre. Si je sens que je suis un peu proche de la limite, je vais pas prendre trop de risques pour rien. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. C'est bon? Comme. Allez, 3, 2, 1, send it. Let's go. Ça y est, il a fait son petit échauffement de 27. La rangée de militaires là. Oh là là gros. Ouais. Allez les boss. Allez Big Sun. Allez. Allez full boss. Allez gros. On va stocker. Putain, il est où? C'est un sacré morceau. Bon là ça va partir du 27. Ils sont en train de placer les safety en bas. Et c'est Alex N qui va se lancer en premier. Oh, c'est dégueulasse mais j'adore. Sinon ça rentre pas. C'est vrai. Allez chaud gros. Allez Lucien. Allez, warm up. Allez, les copains. 3, 2, 1, c'est bon. Allez, Arnaud. Ok, les gars, on le monte en l'air, ok? Concentré. C'est bon, c'est bien. Allez, le boss. Allez, 3, 2, 1, yes. Allez, la machine. Allez, les gars. Oh, il a éclaté! Yeah! Mec, t'as dit n'importe quoi! Vous êtes des fous, les gars, vous êtes des malades! Oh, le pont, il fait monter en l'air! Vous êtes prêts, les gars? Ok, 5, 4, 3, 2, 1, c'est un Allez Lucien, tu vas le monter en l'air.
Allez. Ouais, tu tiens la main. Bien focus. Vas-y. C'était tellement stylé, wow, gros. Il nous a regardé, hein. Longtemps il nous a fait. Oh mec, il était parfait. Oh mec, vous régalez, hein. Insane, les gars. Oh, vous avez tué ça. Ça va, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, c'est cool. Yes. L'idée, c'est que il veut sauter le pont qui est derrière ici. Il y a un troisième pont en fait. Donc il y a le premier, le pont du Diable 19, le pont 9 27, et le dernier pont là, il est encore plus gros. Et il y a très très peu de réception, genre c'est vraiment très fin. Il y a des cailloux partout. Moi je pensais pas que c'était sautable, mais là il y a Com et Jérémy qui vont essayer de l'envoyer. Là l'idée c'est genre vous allez mesurer et si ça le fait, ça scène direct ou ça revient ici. Bah surtout Com il depth check. Ouais. Vu qu'il y a du vent, il reste dans l'eau pour choper le décamètre quand il arrive pour qu'il soit bien tendu. Okay. On va voir combien il y a aussi, s'il y a 37 mètres, ça va peut-être nous refroidir. Okay. Mais en vrai, je pense qu'il y a vers les 32 comme prévu. Là, on a de la chance, on voit bien. Mais là, ça se transforme en 32 mètres précision parce que là où ça devient plus large, en tu fait, vois que tu as un caillou à gauche, un à droite et surtout un au milieu un peu plus loin. Du coup, tu as un cercle de genre 6 mètres de diamètre que tu dois viser alors qu'on est à 32 mètres. Genre, tu dois tomber là, tu vois. Tu dois tomber 1m50 plus loin que ça. Ça, ouais. Ça a l'air plus faisable ici que de l'autre côté en vrai. Okay. Lui là, moi je le vois, hein, et franchement, en mode. Là, je suis t'atterris où dans l'eau, hein. En mode t'atterris, tu vois, entre les deux pics, juste avant les deux pics, c'est bon. Ouais. Faut bien respecter l'axe parce qu'imaginons tu vas un peu trop loin, parce que là t'as vite fait d'être entre les deux pics et le caillou de gauche, tu vois. Du coup faut vraiment être précis parce que si tu vas au niveau des pics, faut pas s'en prendre un et tout, et faut être sûr qu'il y a du fond, hein. Là, il y a 30-80, 30m80. C'est officiel. Sachant que ça bouge un peu, donc on peut enlever 30 mètres, quoi. 30 mètres, on va dire. Jérémy et Com, ils ont mesuré, il y a un gros 30 mètres. Et Com, il est en train de regarder le fond. Normalement, ça devrait le faire. Mais ça fait peur parce que c'est vraiment ultra étroit. Ok, ça va partir. Ok, 3, 2, 1, lancez. Bon, il y a Jérémy qui vient de sauter le pont de 30 mètres là, et il y a Com qui va partir en dot. Donc là, tout le monde est en train de se préparer. Ça va être insane en vrai. L'atterrissage, il est tellement fin, les gars. C'est vraiment une singe. Ces mecs qui repoussent le game. Com en vrai, c'est une machine. Putain, faut pas pousser, hein. C'est trop loin. Mais le fond, il est large au milieu. Ouais. J'ai pas vu. T'as l'air. Avec un masque, gros. Tu le fais en classique droit. Ouais. J'espère qu'on se rend bien compte d'ici là. Mais la récepte, elle est tellement fine. Il y a des cailloux. Franchement, c'est quoi? Il y a 4 mètres pour atterrir, quoi. Et vu d'ici, ça paraît 2, quoi. Vraiment, ça paraît 2 mètres. J'ai reçu un DM de Beverly. Non. Hello, nice to meet you. I also like your work very much. Ça met dans une bonne nuit, ça. Je regarde. Et je me fais les pompes. Allez. Les pompes. Classique. Car l'été dernier, j'en faisais beaucoup plus. Et c'est vrai. Ça, c'est les bières hier, gros. Allez, gros, concentre-toi. Allez. Focus un peu. Thank you.
champ, faut qu'il pousse un petit peu. Ok les gars! Allez man! Allez comme! Allez machine! Ok! Go! Allez gros, allez gros! On est pour ça! Allez! 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 Allez, c'est maintenant! Allez gros! Allez, 3, 2, 1, salut! C'est dingue gros. Mais mec, il se passe quoi? Oh gros, j'en peux vraiment plus, c'est dingue, j'en peux plus. Ah mec, mais gros, j'en peux plus gros. Oh, ça fait tellement peur. Il s'est jeté là. C'est vraiment le landing quoi. Il s'est jeté là. Dude, it's insane. Bro, we just drove by and we see you guys. No. It's coming, the boys. She was very close to the road. It was? Yes, like 1 meter away. Oh, sur la gauche, la mec. C'était incroyable, les gars. Franchement, allez vous abonner à tous ces mecs là parce que vraiment ils le méritent. On a mis tous les Insta dans la description. Si t'es un peu décalé et proche du bord, là tu stresses, là ça te met les sensations. Mais là je voyais vraiment que j'étais en plein milieu et tout, je me suis dit, tu sais, c'est moi qui ai depth check et tout, donc je savais que ouais. Là c'était pas profond. Profond. Ouais, profond. Ouais, j'ai atterri là, le boum, et juste après j'étais au fond de l'eau, j'étais là. Wouah. En vrai, il m'a fatigué direct, j'étais là, wouah, faut que je remonte. Oh mec, c'était une singerie gros. Merci les gars d'avoir accompagné. Ouais putain mec. Ouais, des singeries qui nous fait vite toi. Incroyable. T'es trop chiant gros. Après la session, c'est la petite vente de vêtements Wheezy à la sauvette les gars. À l'arrière du van. Au pire non, parce que les gens ils prennent. Moi j'ai copié. Incroyable. Oh lui, là, lui c'est là, je suis refait marché, là. Ça y est, allez acheter. Allez acheter, salut Z. Salut Z à faire des vidéos. C'est vrai, c'est le but. Hein. Et en plus, on est beau gosse avec, non? Eh bah, bien sûr. Avec le simple. Il était simple. Il était costaud. Deep water. Avec deep water, zéro impact. Ah je suis content. On savait qu'on allait venir là avec Romain et on s'est dit est-ce que ce serait possible de genre courir plein de balles là dans le goulot, sachant que ça c'est des anciens trucs pour envoyer des pierres dans les bateaux, donc c'est vraiment solide. Mais par contre genre on voit que c'est quand même bien incliné. L'idée c'est vraiment de courir plein de balles et voir si on peut arriver dans le problème, c'est que si tu te foires avant, tu t'exploses dans le goulot quoi. Ça donne trop envie. Moi j'ai trop envie de courir là-dedans là. Mais non, ouais. C'est engagé hein. Si tu cours plein de balles, c'est fini. Tu meurs. J'ai tellement petit dans ce trou là. Ah mais moi j'ai trop envie de partir. Il y a moyen d'aller plus vite. Mais maintenant on a les chaussures trempées. Et lui il tapait fort, c'était tellement de bruit par rapport à ça. Ouais. Tu te penchais complètement dedans. T'as l'impression que si tu rates un pas, c'est fini. Alors que là en fait, en ralentissant un petit peu, tu peux genre au cas où. Ouais voilà, au cas où tu te fous sur le cul, tu fais. On a trouvé un saut avec Romain, il faudrait qu'on court ici sur ce muret.
et qu'on saute ici. Mais moi c'est cette partie où on doit gaper tout ça qui est quand même relativement engagé. Après la partie hauteur, bon bah t'as sauté, t'as fini. Mais si jamais on pousse pas assez fort et qu'on spoke là, là c'est chaud. Et par contre ça fait haut là non ? Ce qui me dérange c'est pas tant que ça. La longueur à faire, c'est la hauteur après. Oh oui. Oh j'avoue. Ouais mais en fait moi là de là-haut c'est haut en vrai. Oui. Par contre c'est super beau hein. C'est trop trop stylé si on fait ça. Je sais pas en vrai, il y a long hein. Mais du parcours ça passe. En vrai il est loin mais il y a quand même de la hauteur donc. Ouais. Il y avait 15-16 et niveau du gap moi c'est bon. Je pense que moi je fais un élan après je vais. Allez Rome. Ouais, c'est les trois derniers pas qui font tout. Il y a le pied qui est accroché gros, j'ai flippé de ouf. Mais c'est trop bien rattrapé hein. Je me suis dit il va atterrir pile sur le rebord. Et non en vrai c'est passé. Le troisième pas il était horrible. Vraiment en fait mon pied il a raclé dans le sol. Genre juste au moment où on montait la marche. Et du coup je me suis dit allez balai que je saigne quand même. Je suis passé je pense genre à ça du mur. Oh bah c'est à moi. Oh bah let's go. Ça sent. Ouais. Eh Mathieu, Mathieu. 3, 2, 1, 2. Tellement stylé ah, gros marche, là, il est affirmé sur le truc. On sent il a kiffé en plus. Ouais. Oh, je suis trop content. J'ai vraiment fait le vide de ouf. Et les pas ils sont apparus hyper clairs. Yes. Yes. Que je dis à Flo là. Les pas mec. Ils sont apparus hyper naturellement. Ouais. Vu que Sanglard il avait frotté, je me suis dit surtout pas frotter. Et après bah l'impulsion, je me suis dit oh je suis large et tout. C'est trop bien. C'est normal à part ça. Non. Ça c'est pas normal. Mais si. Pourquoi? Normal. Déjà tu manges ça, en vrai ça tape. Ouais. C'est bien calé. Et lui ça il va l'enfiler quoi. Mais parce que mon métabolisme il est différent en vrai. J'ai besoin de beaucoup manger. C'est une fin de session, on s'est bien amusé sur le spot des Calanques. Et là, on va partir sur un petit camping sauvage. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao !